Vous avez passé une bonne semaine ? Ouais. Nous sommes à la salle pastorale du lycée Saint-Louis, puisque le lycée Saint-Louis, comme son nom l'indique, c'est un lycée catholique. Il y a un endroit pour ceux qui le souhaitent, venir échanger, partager. On a mis en place, avec l'aide de la mairie, la banque alimentaire, hein, pour l'épicerie solidaire au mois de novembre. Il y a eu aussi une collecte pour les bébés du cœur, qui a été bien suivie par les jeunes. Et pendant le temps de l'Avent, des élèves m'ont demandé s'ils pouvaient avoir un temps de chapelet. Donc certains élèves sont venus, avec bien évidemment mon soutien. Et nous avons monté ça toutes les semaines pendant tout le temps de l'Avent. En début d'année, donc, démarre le parcours Alpha, hein, depuis début janvier jusqu'à un petit peu après les vacances de février. C'est un parcours qui se vit. C'est vraiment une expérience de vie, d'échange, de partage entre jeunes sur la foi, mais sur la vie. Quel est le sens de la vie ? Ça commence comme ça. Quel est le sens de la vie ? Et au fil des réunions, ils échangent entre eux. Moi, je suis juste là. Pour faire le lien, le pont, si besoin est. Mais en règle générale, ils avancent ensemble. Alors, je viens au parcours Alpha pour discuter et passer un bon moment. On est une dizaine, je dirais. Et on regarde des vidéos et on a des questions à chaque fin de vidéo. Et puis, on y répond, on discute et on débat gentiment. Des tas de choses nous arrivent tous les jours. Et en 24 heures, on se pose tellement de questions du genre « Je mange quoi ? Je m'habille comment ? Qui je vais voir ?» Parfois des questions plus importantes comme « Qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Qui j'épouserai ? Où j'habiterai ?» Il arrive qu'on se pose des questions encore plus importantes. Par exemple, « Pourquoi suis-je là ? Quel est mon but ?» Je me souviens d'une question, c'était « Quelle est la pire ou la meilleure chose que t'aies construit ?» Donc c'est assez vaste, mais on peut trouver des choses intéressantes à dire aussi. Je pense la bienveillance d'abord. On écoute tout le monde, peu importe si notre avis, enfin si on n'est pas d'accord ou peu importe, et c'est agréable.